les champions du monde, comment allez-vous? Bah oui, il faut qu'on se le dise maintenant, on s'appelle comme ça, on est champion du monde. La deuxième étoile, c'est pour maintenant, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez été prudents aussi, parce que vous avez vu, il y a eu pas mal d'agitation sur Paris. Ils ont pas montré comment ça se passait ailleurs. La discrimination, c'est vrai, on a eu des images que de Paris, mais c'est la plus belle ville du monde, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on est très heureux pour cette victoire de la France, et j'ai voulu aller voir sur les réseaux sociaux si, du côté d'Internet et des autres pays, c'était similaire, et visiblement, il y a de la haine un petit peu. Hein. C'est vrai que la victoire de la France face à la Belgique, j'ai l'impression que ça leur reste en travers de la gorge. Bah, c'est dérageux. C'est dérageux, les Belges, ils veulent pas avouer que la France a été supérieure à eux. Du coup, je me suis dit, allez, Twitter, c'est le déchaînement des enfers. C'est là où tout se passe. Du coup, quand vous êtes sur Twitter, regardez ce que vous pouvez faire. Tapez Belge et vous allez voir que à la troisième ligne, ça va être tout simplement Belge seum. C'est vrai que les Belges, ils sont amusés à critiquer l'équipe de France de toutes parts. Quand la France elle a battu les Belges, t'avais Courtois qui était super énervé, soi-disant on avait joué défensif, etc., etc. Pour que deux jours après, ils reviennent sur ses propos et qu'ils disent qu'il a... T'as pas suivi. Putain, on est un duo normalement. Qu'est-ce qu'il a dit, Courtois? Voilà. C'est ça. Exactement. Courtois, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait été con et qu'il avait surréagi. C'était à chaud. Pour qu'enfin, en finale, le mec, il dise quoi? Bah, qu'il avait éteint sa télé. Du coup, il voulait pas voir la France gagner. Voilà, le mec, en fait, quand la France a gagné, il a éteint sa télé parce qu'il voulait pas assister au sacre français. Mais c'est n'importe quoi. Vous pensez, les Belges, ils ont une émission comme ça aussi, MDR, l'épopée du seum? Non, mais clairement, oui. Jusqu'à le drapeau de la Belgique, en fait, il a remplacé le mot seum. Quand t'as envie de dire j'ai le seum, bah tu dis j'ai le drapeau belge. Ouais, c'est un petit peu la blague du moment sur Twitter. Du coup, je me suis dit quoi? Vas-y, je vais faire un tweet demandant à ce qu'on me relaye tous les tweets de rageux. Et regardez, parce que franchement, parfois, c'est parti loin. Regardez. Premier tweet, il y a une meuf, je sais pas pourquoi elle est suisse, elle a rien à voir dans le délire, son équipe allait sortir en 8ème de finale, du coup reste à ta place. Je savais même pas qu'ils étaient qualifiés pour... Non mais si, faut respecter les Suisses, ils savent pas que faire du chocolat quand même, ils savent jouer au foot. Blague, blague. Non franchement les Suisses c'est cool, je suis parti en Suisse récemment à Montreux, c'était vraiment super. Bref, en vrai en Suisse on n'est pas contre l'équipe de France de foot, on est contre le peuple français qui est super arrogant quand il gagne et qui casse les couilles à tout le monde pendant 1000 ans et qui ressort la victoire à toutes les sauces. Mais meuf, meuf comme on dit C'est tous les 4 ans la coupe du monde. Laisse-nous kiffer. Laisse-nous kiffer. Bien sûr qu'on va les ressortir à toute la sauce. Dès que quelqu'un va te parler, enfin un étranger, tu lui diras que la France est la championne du monde. Bah oui. Tu te rends pas compte de combien de temps ça faisait? Bah, ça faisait 20 ans que le peuple français attendait qu'on ajoute une deuxième étoile sur son maillot. Elle est enfin arrivée. On a une génération dorée. On a été tellement critiqués. On a eu tellement de débats autour de cette équipe pour que au final c'est elle qui gagne. On est content, on est fier et on a raison de le montrer. Si vous vous êtes frustré et que votre équipe est plus la merde, eh ben restez dans votre délire. Nous, notre équipe, elle est championne du monde. Donc voilà, s'il vous plaît, faites de la place. On est les boss, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un tweet qui est vraiment parti en couille. Je trouve que ça va beaucoup trop loin. C'est 90, voilà, c'est une belge, hein, 90. Ça veut dire quoi 90 en belge? 9. 90, c'est pas 90? Ah, bah c'est qui l'intello? C'est toi ou c'est moi normalement? Bah, moi, 90, c'est 90, non? Ouais, c'est ça, ouais. De temps en temps. Elle a tweeté, j'espère que Daesh va faire un petit coucou en France, mais ça va trop loin, ça va trop loin. J'en rigole là maintenant, mais c'est pas drôle. C'est mêler le terrorisme au football, c'est cracher sur toutes ces victimes des attentats parce que la France a gagné la Coupe du Monde. Eh, c'est du foot. Si on se bat sur les valeurs du foot, respect, partage, amour, fair play, etc., etc. Donc du coup, le terrorisme, ça n'a rien à voir dans ça. Juste pour faire des top tweets et c'est même pas marrant. Et d'ailleurs, t'as Raph qui lui dit, putain, y'en a qui abusent. Bah bien sûr. Et vous avez vu tout à l'heure, je lui disais, tu comprends pourquoi on dit que vous avez le seum? Bah en fait, vous avez le seum, maintenant c'est le drapeau de la Belgique. Non, c'est un truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu une page Facebook, eux ils sont déchaînés. Ils ont tweeté dimanche dernier, on est troisième, full podium. On n'a pas calculé la place de poule, ça c'est, vous savez, quand il y a eu Angleterre-Belgique et que la Belgique a tout fait pour gagner, bah ouais, ok, ok. On a battu le Brésil, félicitations. On a développé le plus beau jeu, ok. On est aux yeux de toute nation l'équipe qui a été la plus impressionnante. Je sais pas de quelle nation tu parles, mais du côté des Français, on n'est pas concerné par ça. On a le meilleur joueur du monde. Ah bon? Je sais pas que Modric il était belge. On a le meilleur gardien, je sais pas que c'était belge. On a la meilleure attaque du monde, je sais pas que Mbappé était belge. Waouh! Surtout, on a quand même mis un but contre eux. Bah ouais. Logique. Et puis eux, ils n'en ont pas mis surtout. Mais ils ont même pas marqué contre nous. Voilà. Ils ont la meilleure attaque du monde, ils ont même pas marqué contre nous. Ils ont le meilleur joueur du monde, ils ont même pas marqué contre nous. Ils ont le meilleur gardien du monde, ils se sont fait planter par Umtiti. Pas la faire assis. Mais bref, on a le meilleur entraîneur et meilleur adjoint. Meilleur adjoint, il est quoi? Il est quoi le meilleur adjoint? Il est champion du monde lui aussi, du coup. Allez hop. Donc arrêtez les Belges. Vous êtes content de votre troisième place et félicitations parce que dans l'histoire de votre vie, de votre équipe, vous n'êtes jamais arrivé à une position aussi haute. Et c'est magnifique. Félicitations, bravo la Belgique.
Dans la première version, elle applaudissait pas. Hein. Non, mais c'est vrai, félicitations à la Belgique. Troisième place, c'est mérité. Même si dans l'histoire des compétitions, on se rappelle que des vainqueurs. C'est ça, en fait, on s'en fout de la deuxième, troisième place. On veut la première place. Félicitations à la Belgique, c'est bien. Continuez. Revenez dans 4 ans. Et pareil, là, il y a eu un message sur un groupe WhatsApp. Balèque, même si la France a gagné, ça restera un pays de sourasse. Fuck la France. What the fuck? Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que c'est du foot. C'est censé justement rassembler les gens, unir les gens, tous être autour d'une même passion qui est le sport. Et justement, qu'on soit fiers de notre équipe. Parce que cette équipe, en plus, elle a notre image. C'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs types de personnes. Il y a des Renois, il y a des Blancs, il y a des Rebeux. Il y a tout, en fait. Et c'est ce qui compose la France. Finalement, on n'a même pas regardé l'origine des joueurs, en fait. C'est ça le truc. C'est mais ouais. Je comprends même pas pourquoi on s'y intéresse en fait. Parce que faut toujours faire des différences, faut toujours accabler certaines personnes. Et je suis très content parce qu'un mec comme N'Golo Kanté, c'est un dernier Renoir. Vous savez comment il l'aime les Français. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas parce que t'es comme ci ou comme ça qu'il faut que tu sois jugé. Et justement, pour rester dans cette histoire de couleur de peau ou je sais pas quoi, du côté des États-Unis, il y a pas mal de rageux aussi. Je vais vous parler de ce mec là, vous savez, The Daily Show. En fait, il fait le buzz depuis un certain temps parce qu'il a osé dire que c'était pas l'équipe de France qui avait remporté la Coupe du Monde, c'était l'équipe d'Afrique parce que dans cette équipe, effectivement, il y a que des Renois et très peu de Blancs. Et j'ai trouvé ça très petit alors, de la part de ce mec. Défense, ça n'a pas placé la France aux États-Unis. Hein. Et c'est vrai, ça n'a pas placé la France parce que un mec qui connaît sa géographie, il dirait pas des conneries comme ça. Ça fait vraiment pitié. Et puis surtout, je dirais aux États-Unis et à ce mec, faut qu'il nous montre l'équipe de basket parce que là-bas, c'est pas le foot, hein, c'est pas le soccer. Je me rappelle pas qu'il y ait énormément de Blancs. Regardons vite fait l'équipe des États-Unis. Allez, on va compter juste pour le plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur 12 joueurs qui sont ici présents, il en manque, hein. Il manque Curry. Qu'est-ce que tu dis, toi? Hein? Merci, Team STMG. Eh ben, il y a aucun Baptou là. J'en vois pas de Blanc. J'en vois un, mais lui, c'est un quoi? C'est un Latino. Il me dit quelque chose. Mais voilà, le mec, en plus, il était plus long. Il a dit quoi? Il a dit c'est le Wakanda qui a gagné la Coupe du Monde. Non, mais. What the fuck? Bref, et en tout cas, voilà, pour parler de toutes ces personnes qui parlent de mérite, etc. Ouais, la France, elle mérite pas sa Coupe du Monde. Moi, je vous ai sélectionné le message du sélectionneur du Portugal qui a dit: j'ai vu la finale du Mondial, pas avec beaucoup d'envie, mais je l'ai vu parce qu'effectivement, bah, ils étaient éliminés. Celui qui gagne le mérite toujours. Débattre sur si c'était comme si ou comme ça ne mène à rien. Le foot est un jeu d'erreur et la France en a fait le moins. Bravo à elle. Et ben voilà, bravo. Le mec, il sort de sa compétition avec classe. Il est réaliste. Il est réaliste, voilà. Et je préfère qu'on s'arrête sur ça. Le reste des commentaires, ça servira à rien. C'est la France qui a gagné cette Coupe du Monde. Alors oui, là, je vois déjà les personnes qui vont me dire: ouais, mais vous, quand vous avez perdu contre le Portugal, vous aviez le seum. Même jusqu'à vous aviez essayé de faire signer une pétition pour rejouer le match. Ok, ok, ouais. On a essayé de rejouer le match, mais jamais on est parti dans des délires de racisme, de je sais pas quoi. Ouais, les Portugais sont comme si, ouais, les Portugais. Non, on a voulu rejouer le match parce qu'on était vénère. Mais non, au final, c'est le Portugal qui a gagné l'Euro. On a pris notre revanche parce que franchement, je troque toute ma vie une finale d'Euro pour le titre de champion du monde. Franchement, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, je suis totalement d'accord. T'es d'accord? Je suis d'accord avec c'est toi, qui a marqué en finale d'Euro? Tu sais pas, il s'appelle Eder. Allez, merci. Bref, les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir cette petite vidéo. C'était une petite vidéo comme ça. Voilà les pires tweets après la victoire de l'équipe de France. Parce que franchement, les gars, allez sur Twitter, c'est l'enfer. L'équipe de France, limite, elle a volé la Coupe du Monde. C'est n'importe quoi. En tout cas, si vous voulez un épisode 2, qu'on continue les analyses sur ça, bah n'hésitez surtout pas à me le dire. Hein. Si vous avez kiffé, laissez-moi un petit pouce bleu. Sachez juste un truc, on a écrit l'histoire. Ils ont écrit l'histoire, ces joueurs de foot. Vous aurez un bon souvenir. Vous pourrez le raconter à vos enfants. Et ça, personne ne pourra vous le retirer. Voilà, moi c'est ce que je veux retenir. Et surtout, c'est beau de voir justement la communion de toutes ces personnes. Voilà, tous français, tous provenant d'horizons différents, que ce soit des Arabes, des Asiatiques, des Indiens, des Africains, des Antillais. Et c'est pas ça qui rentre en compte justement. On était tous unis parce qu'on était fiers de notre équipe, fiers de notre nation et fiers d'avoir écrit l'histoire. Voilà, c'était beau quoi. Ouais, c'était beau. C'était philosophe. Je finis sur une bonne touche ou pas? Très philosophique. Merci. Tu t'arrêtes pas sous. Je t'emmerde. Bref, les gars, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour le dossier dossé. Voilà. Enfin. Oui, enfin. Bref. On l'attend avec impatience. Va me faire à manger. Allez, bisous à tous. Bisous.